Salut, allez, c'est Seb, on est sur Rennes Sport, version ouverte de la bêta. Et on est parti prendre une course sur Imola et je suis deuxième avec la Porsche GT3. Nous sommes 21, je pense, désolé, hein, vous n'aurez pas le HUD, 23 on est. C'est bon les gars, tous les couillons sont arrivés. C'est bon. Et le truc m'a dit que j'ai une pénalité. Je me retrouve du coup cinquième. Ok. Remontada. Allez mec, c'est bon, ils se sont dit c'est gratos, on y va les gars. Ouais mais j'ai qu'un clavier, mais c'est pas grave. On va rouler. Donc, de ce que j'ai vu, hein, désolé, le triple screen n'est pas vraiment pris en charge. Vous allez le voir par vous-même. En termes de proportion, c'est pas du tout ça. Je sais pas où ils sont les cassos parce qu'ils sont pas vraiment derrière. Donc là, je suis en épique hein, pour les réglages. Peut-être encore d'autres choses que je peux augmenter, mais bon, je sors de ma session de test en VR. Pour lequel j'ai pas réussi à jouer en multi. Et là ça marche très très bien. Allez, on va essayer de se prendre au frein. Il élargit. Lui, il a l'air d'avoir compris un peu comment ça... Ah, non. Il s'est tué lui-même, pas moi. J'ai laissé la place. En tout cas, je pense. Donc, je vais commencer à nommer. Troisième. Alors il y a du mieux hein, par rapport au four où j'ai testé précédemment. Il y a du mieux dans le ressenti volant, mais c'est à mon sens l'une des choses les plus importantes forcément. J'ai essayé tout de base, hein. Le TC, tout ce qui va bien, parce que j'ai pas mappé toutes mes touches. J'ai du mal à atteindre les 90 FPS. Non, c'est intéressant, c'est correct. Bon, maintenant, comme je vous l'ai dit, hein, c'est porte ouverte à tout le monde. Donc, du coup, bah, du coup, on a vu déjà ce que ça donnait au premier virage. Allez, on va essayer de remonter sur ceux qui sont devant. Je regarde le gap, il a 2 secondes 8 le deuxième. Voilà, on a Delta qui apparaît. C'est cohérent, honnêtement, en termes de physique. Ils ont passé un petit palier. Moi, la seule chose qui m'inquiète hein, dans ce jeu, c'est la direction qu'ils veulent prendre, en fait. Par rapport à la précédente vidéo que je vous ai faite, ouais, comment il se place, le prix de... Ouais. Des packs de... Ouais, je sais pas.
Allez, on va essayer d'aller chercher quand même. Il reste 10 minutes. Bon, le premier, disons qu'il était premier au calife déjà, donc je vais pas le rattraper. Mais lui devant, j'aimerais bien me le faire. Alors moi qu'on puisse dire, de toute façon vous voyez dans ma caméra on-board extérieure, il y a de la vie dans le volant. Ça honnêtement, on ne peut pas dire le contraire, ça bouge. C'est pas forcément des effets fake, moi je trouve assez représentatif de ce qu'il peut y avoir sur la piste. On sent bien la perte du train, perte d'adhérence. Le serveur a l'air de tenir, il n'y a pas de lag. Je vous répète, hein, on est 23. Alors, peut-être plus maintenant, mais. Allez, toujours sur le podium, mais toujours troisième. Je peux même dire que je m'amuse. C'est quand même pas mal. J'ai mal à le reprendre. Avec sa BM. Bon, je devais baisser le FAB, je l'ai un peu. Peu trop laissé élevé. Bon, c'est pas grave. Bon, il s'est un peu loupé au frein, je pense. Il nous reste 7 minutes 30. Allez, on va essayer d'assurer les secteurs, les freins. On se montre. Ouh, il s'est loupé. Il l'a perdu un petit peu. Il n'y a pas assez de vitesse pour le prendre. Encore une fois, on va faire croire, on va se montrer la technique de base. Ah, le son il est vraiment pas mal. Hein. Allez là à l'inter. On soulage. Allez P2. Ah, devant il est parti. Hein. Lui il a tracé sa route. Oh derrière il me prend la SPI. Oh la BM elle en a dans le coffre. Hein. Ouh. Il laisse un petit peu de place quand même. Il a été fair play. Devant il est à. Je ne sais pas. Parce que la HUD me dit toujours que je suis troisième. Je
bien P2. Il nous reste 5 minutes. Bon, je vais pas trop regarder, on dirait 7 secondes, c'est possible. Ah, il y en a qui s'est tué, drapeau bleu. Oh, je sais pas ce qu'il fait lui. Il a tué sa caisse. Il veut certainement la ramener au pit, j'espère, parce que là il a pas une bonne trage. Il me fait peur, je vous cache pas. Allez, rentre au pit toi. Voilà. Ah, il va y avoir des petits nouveaux, il va y avoir des gens qui vont vouloir essayer sans connaître ni la caisse, ni le... Après, c'est le problème, comme j'évoquais sur ma vidéo de présentation, c'est... Ouh, on loupe le frein. C'est qu'on peut pas rouler contre l'IRA, ça... Bon, au moins, ça pousse les mecs à rouler en ligne. Mais bon, ça n'apprend pas à rouler propre non plus. Hein. Bon, après, ce combo-là, GT3 sur le circuit, tout le monde le connaît. Je suis revenu, j'ai gagné une seconde à peu près. C'est dommage hein, ce départ là. Il a complètement foiré l'affaire. Deux minutes 20, alors il va rester un ou deux tours. 6 minutes, enfin 6 minutes, 6 secondes 4. Je me permets quelques petites fantaisies. Oula, ça fait drôle. Cette vue là. Freinage très tardif, mais qui passe. En fait, j'ai l'assurance d'avoir du TC, donc voilà, c'est pas problématique. Par contre, je pense que je vais me choper les retardataires. Je regarde en même temps la carte. Oh, ils sont assez loin. Ça devrait le faire. Ça a l'air un petit peu de monde devant. Mais c'est pas grave, gars. Fais demi-tour sur la piste. Fais demi-tour sur la parabole. La parabolique. C'est
pas gênant. C'est pas gênant. Alors, ça doit être terminé. P2. Donc, on termine le tour, je suppose. J'ai pas bien vu. J'ai pas vu de drapeau d'amis, donc. Ah bah oui, il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de plaisir. Hein. Fais demi-tour où tu veux. Très safe, la voiture, il n'y a vraiment aucune difficulté. Le TC doit être à 6, l'ABS à 6, donc ça roule tranquillou. Et on va en finir là-dessus. Du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, pareil, si vous avez testé l'online, ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez de la physique, vous pensez du FAB, bref. Moi, je trouve qu'il y a eu du mieux par rapport à la bêta fermée. On finit à deuxième. Donc, on se retrouve dans les commentaires pour en discuter. Et moi, je vous dis à une prochaine. Tchuss.